Venu voter ce matin dans une école de Bastia, la tête de liste Front National a ensuite rejoint sa petite permanence proche du marché. Là, il revient sur une campagne qu'il a jugée âpre. C'est une campagne qui a été assez difficile dans le sens où nous avons eu une opposition d'anciens militants du Front National qui ont effectivement utilisé des moyens douteux, ce qui a fait que nous n'avons pas toujours été sereins pendant cette campagne. Mais bon, maintenant c'est passé. Alors des menaces, non, peut-être quelques intimidations effectivement de certains militants. Les militants FN, eux, sont confiants. Certains parlent déjà de la présidentielle, persuadés que la dynamique insufflée par Marine Le Pen s'exprimera aussi sur l'île. C'est la présidente, on suit ses directives parce qu'on a vu qu'à l'heure actuelle, elle ne s'est trompée sur rien. L'Europe, c'est une catastrophe. Les migrants, on voit bien que la gauche reprend des thèses du Front National, la fermeture des frontières, la déchéance de nationalité. La droite, c'est la même chose, ils savent où ils en sont. L'important, c'est d'être unis, mais l'important, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres idées, à d'autres personnes, pour qu'on puisse rassembler le plus de personnes possible, toujours bien sûr en vue de l'échéance électorale de 2017, mais parce que l'Assemblée de Corse doit être constituée de différents avis. S'ils ont des élus à l'Assemblée de Corse, les militants leur demanderont de croiser le fer sur l'immigration, les déchets, la pauvreté, mais aussi... Identité corse, la langue, dans les lycées... La langue française ou la langue corse ? Corse, la langue corse, pour préserver l'identité corse qui s'est un peu estompée avec le temps. Un positionnement qu'ils ne jugent pas contradictoire, Marine Le Pen n'a-t-elle pas martelé son attachement aux identités régionales ?